bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la finale internationale mondiale française nationale de mon salon de Worms. Alors aujourd'hui c'est moi et j'affronte un de mes potes, Aya47, un duel mémorable sur Worms, vous allez voir un petit peu ça. Tout à fait mon cher Hyrule. Alors on va commencer en finesse par un coup fourbe, hein. Un petit coup de sniper de loin histoire d'entamer le moral des troupes avant de rentrer dans le vif du sujet. Et d'entamer des trous aussi, oui. Alors là, une petite dommage sur le verre. Alors le sniper, c'est pas une des armes les plus puissantes. Là, je l'ai mal utilisé, faut que je le reconnaisse. Normalement, c'est une arme qu'on utilise plus vers la fin pour finir un verre éloigné caché en haut d'une montagne. C'est ça. Mais là, j'ai voulu commencer en agressant un peu les verres pour leur casser le moral. Alors là, je suis désolé de te dire, mais c'est un coup très banal et très simple à faire, un coup de lance-roquette. Oui, c'est vrai que c'est un tout petit peu trop simple. Ah, il n'y a pas d'imagination. Ouais, il n'y a pas d'imagination, c'était... C'était un peu simple. Mais efficace. Ah ouais, 50 points de vie, roquette, ouais, qu'on se le mange en pleine face. C'est l'arme principale, on va dire. Hein, c'est sûr. Bon, là, je vais tenter un petit coup. Petit coup. Et je vais me tromper d'action. Hop. Petite glisse par-dessus là. Alors mes verres, ouais, mes verres, c'est ceux qui ont le bonnet rouge avec le. La petite lunette de Splinter Cell. Ouais, Cell. Et les tiens, ils ont une tête qui ressemble à rien. À rien, c'est ça. Ou des grosses mouches de l'espace, peut-être. Ouais, je sais pas. Petit coup de caméa, bien placé. Ouais, totalement raté, j'aurais dû faire un coup de batte de baseball. Un coup de batte de baseball. Ça serait passé directement dans l'eau. Mais c'est pas grave. Hein. Pour la prochaine. Bon, je vais me cacher rapidement, histoire de mettre mes verres en sécurité. Alors, donc pour le moment, point de vie, c'est à peu près la même chose, hein, au bout d'un round. Voilà, là c'était à moi de jouer. Et Yod, d'ailleurs, va tout déchirer. Oh, un petit coup fourbe. Ah ouais, alors ça c'est vraiment le petit coup de la mine. Hein. Ouais, de la fourberie. Et... Hop, ok, oui, il m'aurait pas vu. Le verre essaye de m'insulter, mais ça ne prend pas. Et normalement, paf. Et là, laisser et transformer. Home run, laisser transformer, partie de muret. Partie de muret, bien propre. Magnifique, petite provocation petite de l'avatar. Petite provocation, voilà, c'est ça. Alors les caisses toujours super utiles dans Worms, hein. Ça peut renverser le cours d'une bataille en ramassant si vous avez de la chance. Vous verrez ça à la fin. Alors la sélection des outils, si je puis m'exprimer. Ouais c'est avec pareil. Le classique bazooka. Hein. Je vais me la jouer classique, un bon coup de bazooka. En faisant attention au sens du verre. Le verre il prie pour pas qu'il pas. Et hop. L'équipe adverse. En pleine poire. Coup facile, ah ouais. Coup facile. Oui, oui, je le reconnais, c'est oui. un coup facile. Mais bon, là, j'essaie efficace, d'entamer un petit peu le dialogue. La vie des verts, la vie des verts. Faut casser le moral de l'équipe adverse. C'est ça, hein. C'est ça. Alors, grignoter des points de vie un petit peu. Alors là, je cherchais une attaque plus... Une approche, je dirais même. Alors là, c'est le mode classique Deathmatch. Le deuxième round sera un peu différent, ça sera un nouveau mode. Alors là, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le dernier Worms sorti sur Xbox Live Arcade, hein, il y a quelques mois, le Worms Maya, je crois, quelque chose comme ça, Mayenne, il s'appelle. Là, j'ai repéré ma cible. Et voilà, alors du voilà. Coup de bazooka classique. Ça, toujours la simplicité, quoi. La simplicité, d'ailleurs. Il n'y a pas de génie dans cette action-là. Il n'y a pas de génie. Et en plus, t'as deux mains gauches pour viser, c'est pas vraiment... Et d'ailleurs, j'ai même raté mon tir. C'est lamentable, une attaque comme ça... C'est lamentable, oui, j'avoue. Moi, je serais l'entraîneur, le vert, je le virer de l'équipe, ouais. Une action pareille, c'est pas possible. D'ailleurs, il sera puni vers la fin. Oui. De mort, hein, carrément. Oui, en général, les verts. Ils sont punis de mort. Alors là, j'essaie de m'approcher délicatement. Et furtivement. Ouais, comme ça, un petit Fisher saut, avec une petite lunette. Derrière, il essaie de me passer devant, mais derrière. Je vais tenter le home run dans le l'eau. Home run, tain, parce que l'eau est fatale. Attention, le ralenti. Et oui, quand on perd 100 points de vie en un coup. Bien joué. Hop, des petites pirouettes. Une petite pirouette pour se moquer. Pour marquer le coup. Alors j'ai très mal apprécié. Et voilà. Là, et voilà. Je peux me permettre de me dandiner. Hein. Là, c'est toujours ton verre qui revient. Oh, j'ai on est côte à côte. J'en ai repéré un. J'en ai repéré deux. Lequel choisir? Je pense que je vais prendre celui du fond là-bas. Coup de bazooka classique. Si je tire bien. Ou t'as déjà eu la chance de pas être blessé en tombant? Non, non, c'était du jeu ça. Ah, la mine, oui, la mine, c'est vrai. C'est vrai, j'avais sauté sur la mine. Je crois que ça fait deux verres qu'il faudra tuer à la fin de la partie parce que. De toute manière, il sera puni aussi, oui, voilà. Deux erreurs d'affilée quand même. Hein. J'ai sauté sur une mine en fait. Moi je suis dans mon petit sapin, alors là, regardez bien. Bien traître, parce que ouais. Il est quand même assis sur
un tonneau toxique. Alors un verre, c'est à 100 points de vie hein, en général. Hein, ok. Regardez bien les dégâts que je vais lui mettre sur ce coup-là. Une dynamite qui fait déjà presque 75 points de dégâts, plus l'explosion du tonneau. Plus la... En plus, il va décoller en l'air. Hein. Regardez-moi ça. Une vraie fusée, un verre fusée. Vers l'infini et l'au-delà. Et là, c'est le drame. Hein. Et là, c'est le drame. Regardez bien. 100 points de vie dépassés, 136 points de vie. En moins. Là, il était plus que mort. Hein. Ah oui, là, il était fini. Ça fait déjà 3 verres à toi d'éliminer ouais, hein, dans la partie. Moi, j'en ai toujours pas perdu un, hein, je crois. Si, peut-être un. Ah oui, un verre, j'ai perdu. Oui, c'est vrai. Alors là, je vais essayer de prendre ma vengeance. La ah, même voilà, chose. Hein, des voilà, aucune inspiration. Aucune inspiration. Je vais servir de ce que fait l'adversaire pour arriver à jouer. On va tenter une petite... Une petite attaque. Essayer de le faire tomber dans l'eau, mais... Est-ce que ça va prendre... Oh, non, sauvé. C'était pas long. J'ai perdu 75 points de vie, je crois que c'est une dynamite. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est moi, quand même un coup au mort. 25 points de vie, ça ouais, suffit pour mais... tuer 3 verres, moi. Bien sûr, oui. Donc là, en plus, je suis bien placé en haut des murailles. Bah, faut dire que l'aléatoire était oui, plus à son avantage. Les verres sont placés à l'aléatoire de chaque partie. Faut le reconnaître, mais c'était la stratégie. C'est de la stratégie, la stratégie facile. Oui, stratégiquement ouais. Parlant, alors là... je suis bien placé. Alors là, c'est une arme, c'est une nouveauté de l'épisode, on peut créer ses propres armes. Voilà, c'est ça. Et là, moi, j'ai créé un bombardement de chats. Vous allez voir, mon avion va lâcher la des petits c'est... chatons. La bombe C, comme bombe cat, va lâcher des chats avec des gros yeux tout humides, comme dans les dessins animés. Dans les dessins animés, tout mignon, les chats. Pitié. Et moi, j'aime pas les chats. Je fais partie du CCC, Comité contre les chats. Les chats. Et regardez voilà comment on recycle les chats. Ouais. Ces petits minous qui tombent. Ces petits minous qui tombent du ciel. Et regardez un peu le carnage qu'ils vont faire au sol quand même. C'est juste monstrueux. Un gros ravage. Avec 5 chats. 5 chats, ouais. Comme cas, les... si vous voyez des petits chatons, les noyez pas, hein. Mettez dans votre avion, ça peut tout servir. Ça peut toujours servir en cas de guerre. Donc là, je vais, oula, tenter, ouais. Je vais tenter. Ah, une de mes préférées. La coup, punition. La punition. La pichenette. La pichenette. Ok, l'attaque et... humiliante. Hop oh, allez. On va voir ailleurs si j'y suis. Ah là, c'est une mort vraiment humiliante. Hein. La pichenette. Ah là, c'est bon, ouais, tu peux fanfaronner. Hein, ah oui, ouais, mais bon, là, c'était obligé. Le mien est toujours bien placé. Oui, par contre, celui-là, il était tranquille. Hein. Là... Là, je joue la sécurité. Oui. On est à deux côte à côte. Qu'est-ce qu'on sort, le rocket? Petite roquette, mais bon, je crois que j'ai mal visé là. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, j'étais juste un peu endommagé. Je me replace quand même, hein. Je me cache, histoire que d'en bas tu puisses pas trop m'embêter. Bah, c'est ce que j'avais l'idée de toute façon, c'était de te balancer une roquette. Donc là, forcément, l'avatar, pas content. Non, je suis pas provoqué, mais je trouve que ce match est à sens unique pour le moment. Hein. attends, attendons la fin, on ne sait jamais. Ouh là là, le pauvre. Ça sent. En plus, il s'appelle Hyrule, c'est mon verre préféré, tu vas le tuer. Hop, un pinage. Est-il encore vivant? Je sais même pas s'il avait survécu. Je suis plus s'il avait survécu à... à cette ville assaut. Non, ouais. Mais oui, Hyrule, bien sûr, il est trop puissant, il résiste. Ouais, c'est parce que j'avais visé trop bas. C'est le mur qui a pris. Alors là, c'est les vies qui tombent. Ah ouais, la vie, ouais. Le problème, c'est que c'est pareil, les parachutages de nouvelles armes et de vies sont un peu mis aléatoirement. Moi, je trouve que l'aléatoirement, il est un peu trop dans ton camp, donc... personnellement, c'était ma console et mon jeu, c'est pour ça. Hein. Ah là, il provoque ton verre. Ah là, il a peur. Hein. Une petite grenade à fragmentation. Je crois qu'il peut l'effet escompté. Ouais, mais c'était bien joué quand même. Ah, si, 45 points de vie, en plus empoisonné. Empoisonné. À l'avatar là qui fait le guignol. Bah, il a raison. Normal, c'est ton avatar. Il aurait tort de se priver. Hein. Avec la branlée que je suis en train de te mettre. Donc là, l'agent Denis est en train de respirer les gaz moutarde. Ah ouais, ça, tu perds presque 9 ou 10 points de vie par tour. C'est hein. Ça par tour, oui. Donc là, je tente le coup pour le tour. Hein, ça sent la batte de baseball. Ça sent la batte de baseball. Non, même non, pas. Non, la Yuken. Caméra. Ah oui, non. Bah... Ah ouais, mais la Yuken, il est trop court. Hein. C'est vrai. Mauvais choix tactique de la part de l'agent Denis. Lui aussi sera exécuté à la fin. Nous rappelons qu'aucun verre n'a été maltraité durant ce tournage. Non, mais après, par contre, ils sont tous morts après le tournage. Les pauvres verres. Pendant, il n'y a pas de problème. C'est après. Allez, donc oui, pour les fans, vous aurez remarqué un mot. Mes verres pour tous des noms de l'univers Zelda. En même temps, pour ceux qui n'avaient pas cogité, Hyrule, ça vient de Zelda. C'est, voilà. Ah, la poutre. Où là, je vois qu'il y a un beau tas de... De verre. Un beau tas de vainqueurs, et je lance le fameux mouton. Regardez-moi cette adorable petite bête inoffensive qui gambade dans la prairie.
Paf. Des côtelettes. En côtelettes. Avec là, une puissance absolument. J'ai perdu deux verres. Oh, c'était de la triche. Ah bah. Deux verres pour un mouton, hein, c'est le. C'est le prix à payer. Ouais. Alors regardez bien en bas, la barre de vie de l'équipe de. Je crois que c'est t'en reste deux. Il m'en reste deux, oui, je crois. Il plus beaucoup de vie. Voilà, alors, il essaye de me narguer, mais en pensant que ça va aller me déconcentrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Le marteau. Alors, le marteau, il sert pas à grand chose. Ça hein. me tentait bien, mais en fait, non. La batte de baseball. La batte de baseball. Un petit home run, peut-être. Ah, mais ouais, je sais pas. Et non, finalement, non. Ah, je tente l'arme ultime. Ton arme secrète. Mon arme secrète, ouais. Sorte de piton. Ah, bah, tu peux mettre les mains. De toute manière, tu l'auras dedans. Hein. Il t'implore, et toi, toi. Il t'implore, ouais. Tiens, prends ça dans les dents. Comme un vil méchant, tu l'attaques. Et normalement, t'as morflé. Ah oui, je pense que ton arme, on l'avait bien paramétré pour 53 points. 53 points. T'as le droit à une petite pirouette, quand même, pour une petite cabriole, oui. Toujours les caisses de munitions. Alors, mon nouveau verre avec Agent Denis juste en dessous. Hein. Oh, qui va prendre? Oh, ouais, je pense que je vais c'est le faire. Agent Denis, oui. Avec une grenade classique. Ou pas. De toute façon, j'ai trouvé que Agent Denis n'était pas vraiment son assiette en ce moment. Non, hein. c'est vrai. Il paraît qu'il y a des problèmes avec sa femme, mais ça ne nous regarde pas. Aux dernières infos, il aurait surpris sa femme au bout d'une canne à pêche en train de faire des suçons à une truite. Mais ça ne nous regarde pas. Non, hein. non, c'est mais genre. Mais c'est de... vrai que depuis quelques matchs, je trouve que Agent Denis est un peu. D'ailleurs, un peu palo même, je dirais, un peu vert. C'est pareil, il va mourir à la fin il du match. Il va mourir à la fin du tournage, de toute manière. Voilà. Bah, allez, il ne reste plus qu'un verre. C'était même le dernier, non? Je pense que j'ai gagné le premier round. Je peux m'avancer un petit peu. Ah non, il m'en restait, hein, c'est ça. Il t'en reste un. Donc là, je tente le tout pour le tout. Je vais essayer de déloger Link. Qui est tout en haut. Qui est, voilà, qui avait juste mais... spawn en haut, quoi. Malheureusement, tu vas faire une erreur tactique. Hein. Tu t'approches un peu trop près de l'eau pour lancer ton roquette. Non, ouais, bah, okay, ouais. J'essaye, je tente. Ah non, j'ai. Ah, le missile guidé. Missile guidé. Alors ça, c'est pour les gens qui savent pas vraiment jouer, qui savent pas tirer au lance-roquette. Hop, prennent hop, le guidé. Hop, pas trop d'infos, l'ami, attention. Regarde ça. C'était tenter le tout pour le coup. Ah oui, mais c'est bien joué, m'a quand même touché. Alors je sais pas où je suis tombé, je le vois plus, mon verre. Dans les pattes. Mais bon. De toute manière, c'était... Il me reste encore de la vie en réserve. Hein. C'est ça. Et là, je vais finir le round par une mort humiliante, hein, on va dire ça. Hein. Déjà qu'une pichenette en temps normal, c'est un peu humiliant, mais pour finir une partie... Il s'approche furtivement. Ah, d'esquiver la première mine. La première mine a été esquivée. Ce serait quand même dommage de se blesser, de perdre son tour à cause de ça. Oui. J'essaie de le narguer. Et là, voilà. Excellent. Une petite pirouette. Une petite pirouette, hein, vraiment. Histoire de dire j'ai le temps en plus. Et là, prends ça dans les dents. La pichenette, magnifique. Rien voilà. à dire. Terminé. Mon verre maîtrise parfaitement le pousser du doigt. Oui, c'est vrai. Non, mais faut admirer. Faut dire que. Des années d'entraînement. Hein. C'était vraiment bien fait. Ah ouais, des années d'entraînement. Bien joué. Donc voilà, je viens de gagner un petit feu d'artifice pour féliciter ma belle victoire. Bien joué. Donc voilà, 1-0 pour les verres n'étaient pas en forme, c'était pas la saison. Donc là, on va se faire le deuxième round, le nouveau mode, le mode Homeland. Alors c'est pareil, hein, ça change pas beaucoup, on doit encore dégommer tous les verres, sauf que là, chaque équipe a sa base. Moi j'ai mon château fort, Aya a son château fort, et au milieu, il y a une espèce de tour qui nous gêne. Voilà, le but étant toujours de se mettre le plus de pruneaux sur la tronche. Ouais. Alors là, c'est la première roquette, hein, histoire de tâter un peu le terrain. Non, tu t'es chié dessus. C'était pas du tout du tâtage, c'était là... T'as cru. Ouais. Ça fait plus pro quand on dit qu'on essaye de tâter le terrain. Ouais, non, mais les gens vont pas croire. Donc là, encore, belle réapparition, tous mes verres sont au même endroit. Oui, un petit bombardement. Un bombardement, il heureusement qu'il faut plusieurs tours pour avoir un bombardement. Voilà. Donc moi, je me suis dit, je vais essayer en cloche. Ouais, ça va être bien tenté. Hein. Il va pas y avoir de problème. Il y a de l'idée, mais après. Mais il n'y a pas de savoir-faire. Ah, il n'y a pas de technique, quoi. C'est ça. Mais l'idée est là. Elle est là. D'ailleurs, franchement, elle serait passée en passant par la fenêtre, ça aurait été magnifique. Alors là, nous allons tenter. Je vais tenter une petite escapade en jetpack. Oui. Dans cet épisode, on a plus utilisé les équipements comme jetpack, parachute, que vous verrez tout à l'heure. Ils sont bien, bien utiles. Ça sent la défaite quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ah, et zéro.
Je vais me planter sur le rebord. On appelle ça la loose, oui. Et encore, ça va, tu t'en sors bien. Ah oui, bah tu peux râler, mon gars. T'es faible. Ah oui, carrément. En plus, là, je me retrouve juste en ligne de mire pour toute l'équipe adverse. Voilà. Hein, parce que je suis bien en phase 2, regardez-moi ça. J'ai 6 verres en face de moi. Les mouches de l'espace. Ou les vers d'espace plutôt. Les vers d'espace, ouais. Les mouches à verre. En plus, tu n'as aucune compassion, aucun cœur, tu m'attaques directement. Direct. J'ai tenté. Le sniper. Le sniper, hein. Oui. Efficace, classique. Regarde. Bon, là, j'ai un peu de mal à viser. Hein. Mon verre te supplie de l'épargner. Vas-y, mets les mains, ça fera moins mal. Pan. Touché. Et en plus, je tombe à le pauvre verre. J'essaye de manger les dégâts, ouais. Alors, ce mode-là est nouveau et assez intéressant parce que c'est vraiment chacun campe de son côté. Faut attaquer, hein, faut essayer. Alors là, on va essayer de se déplacer, trouver un coin sympa pour attaquer, sans être faire trop exposé. Oui. Et là, regardez. Le téléporteur. C'est mon vert Splinter Cell. Hein. Il essaye de passer dans le dos de l'ennemi. Il arrive en plein vent. Donc le problème, c'est que les téléporteurs, on sait pas trop où ils nous emmènent. Voilà, quoi. C'est ça, c'est un peu la surprise. Donc là, il essaye de se manier. Voilà. Je tente une incursion dans leur château. J'ai même une infiltration. Ouais, bah là, Sam Fisher, hein, j'ai les lunettes. Hein. C'est ça. Ouais, mon verre, il sait pas encore faire le grand écart entre deux murs. Donc il manque des jambes pour ça, en fin de compte. Juste ça, en fait. Voilà, il reste un verre. Voilà, la petite attaque. Bon. Histoire de faire mal, quand même, hein, sur le coup. C'est le but. Alors, bien sûr, dans Worms, après avoir attaqué, vous avez toujours un tout petit temps pour déplacer votre verre et essayer de le cacher. Le positionner quelque part. Ouais, puis regardez-moi ce lâche, quoi. Oui, il se lâche, oui. Cherche la simplicité, là. Simplicité, facile. Le coup de petit verre. Et d'ailleurs, je le rate. Oui, en plus. Faut prendre en compte, bien sûr, le vent. Dans tout Worms. Hein. Le vent et puis la distance aussi. Parce que la roquette ne va pas tout droit, elle descend avec la distance. Et là, j'ai demandé mon bombardement de chat. De chat. Et là, il va se passer un truc incroyable. Alors, au départ, il a hésité. Il allait quand même tirer sur ses propres joueurs. Sur mes propres verres. Et finalement, il s'est dit, tiens, je vais peut-être tirer sur les adversaires. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Donc, les chats arrivent. Encore avec leurs gros yeux. Ah, la humide. J'adore les chats. Et hop. Regardez-moi ça, je vais scier la tour en deux, mais je vais même pas en tuer un seul. C'est ça qui est bon. Bon, ils ont bien morflé, ils ont très bien. 75 points de vie, 45. Bon, la tour est littéralement coupée en deux. Ah ouais. Oh, le bombardement de chat fait très mal. Ouais. Il y a eu pas mal de plaintes de la part de. Des vers, ouais. Beaucoup d'ailleurs ne sont pas revenus. Aucun d'ailleurs. Donc là, je tâtais. Je savais qu'il y avait un Splinter Cell en bas. Donc là, avec mon petit verre qui fait des classiques. La provocation. La grenade, hein, classique, est toujours aussi efficace. Oui, une grenade efficace. Hein. Faut savoir lancer par contre. En plus, il y a une mine juste à côté. Hop, on lâche tout, ça rebondit gentiment dans les pieds. Bon, et voilà. Elle est belle. Alors, il est mis en infiltration, malheureusement, il a pris cher quand même. Hein. Ouais, 51 points de dégâts. Il reprend son souffle. Ah ouais, mais... Allez, je vais retenter une attaque. Parce que de toute façon, le château nous empêche de nous voir directement. Donc autant avancer. Ouais, faut avancer à un moment ou à un autre. Il n'y a pas le choix. Faut se dépêcher, faire attention aux mines. On enclenche. Hop, petit grappin. Toujours utile. Alors là, il y avait une mine que j'ai fait exploser. Elle a fait une réaction en chaîne qui a fait exploser plein d'autres mines. Allez, là, je prends le fusil au sniper. Je vais en profiter, je vais en finir un. Ça fera toujours un verre de moins qui m'embêtera. Hey. Et voilà. Donc là, on remarque aussi que j'ai un bon avantage quand même. Hein, c'est vrai. Du vie en bas. Bah, c'est le bombardement de chat qui m'a beaucoup aidé. Faut dire que oui. Pas mal de. Et là. Je peux jubiler un petit peu. Oui, c'était facile. J'étais pas loin de la réaction en chaîne avec les explosions de tombes. À 3 points de vie près. Et là, bien sûr, toutes les cases de son, elles tombent sur la tour qui se trouve au milieu, entre nous deux. Ce qui est vachement utile, oui. Alors là, j'essaye de...
défendre ton territoire dans ce cas. Défendre mon territoire, oui. Non, même pas, tu pars en exploration. Ah, oui, je tente aussi de m'infiltrer. Téléporteur. Un peu plus utile, par contre, sûr. Ah oui, il téléporte juste chez moi. Voilà, tout simplement. Ah non, il téléporte à côté, c'est encore chez toi, là. Non, c'est chez moi. Je sais même pas où je suis, là. Oh, oui, bon, de toute manière, tu vas te prendre un bon coup de batte dans les dents. De l'eau, ça pardonne pas. Plouf. Merci, bonsoir. Ça me fait comme perdre 100, un verre et 100 points de vie d'un coup. C'est ça. Parce que les airs ne savent pas nager. Hein. Ils savent faire du jetpack, ils savent faire du parachute, de la corde ninja, mais alors nager, non. Non, ça, ils savent pas encore. Ils ont pas encore appris. Ah, ils ont beaucoup de mal. Bout d'un hameçon, mais bon, c'est tout. Ouais. Alors là, je me suis dit, je vais tenter quelque chose. La cloche, mais il tirait beaucoup trop non, bas. Non. Ouais, c'est... Vous avez raté, mon cher ami. C'est totalement raté. C'est totalement mauvais, même, je dirais. Ouais, aussi. Largage de vie. Alors, toujours dans la tour du milieu. Hein. Tant qu'on n'y va pas, on n'a pas grand-chose. Tous tes vers sont pas en forme. Hein. T'as 3 points de vie, 25 points de vie. Oui, ils avaient tous une sale gueule. Alors, le jetpack, là, j'allais avec son petit casque de... de cirque de l'homme canon, là. Et voilà, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début quand voilà, même. Je me suis prendre, dit, le tour, prendre le tour. Prendre et là, je commence à avoir peur parce que j'avais plus de jetpack et hop, pile poil. Donc là, je voulais prendre la vie, non, même pas. Donc je m'approche gentiment. Bazooka. Ah, voilà, on va commencer à attaquer maintenant. Il est en position. Il peut nous canarder un petit peu. Voilà, on commence à jouer. Il reste 4 secondes, faut tirer. Hein, et heureusement, il m'a encore raté sa requête. Hein. Raté, vous allez voir. C'est un peu la troisième depuis le début. Hein, qui parle un peu n'importe c'est quoi. C'est vrai. Moi, 3 points de vie. 3 points de vie. Eh, c'est toujours ça de près. Ah ouais, ça. Tu as cassé un ongle, là, moi. Je vais fais les lunettes. Ouais, tu as fait les sapeurs de lunettes à 3 points de vie. Il n'a pas subi grand-chose. L'attaque aérienne. On peut voir que Hyrule utilise beaucoup les attaques aériennes parce que monsieur ne se déplace jamais. Bah j'en ai autant que j'utilisais hein. Ouais mais bon. C'est un peu de la faiblesse. Bah surtout tes verres ils sont tous groupés sur toi, tu n'as pas bougé alors. Autant balancer la sauce. J'aurais fait pareil. Mais la frappe aérienne a encore un peu échoué. Moi j'en ai eu qu'un, je pensais vraiment en avoir plus. Mais disons qu'ils sont aux quatre bouts de la tour. Mais... il reste plus rien de la tour. Il reste plus rien de la tour. Elle est vraiment ravagée la tour. Mais j'ai encore deux verres dessus. Ah, là j'en ai repéré un. Je me suis dit, lui mon coco. Ouais, j'étais en bas de chez toi depuis tout à l'heure. Hein, avec mon verre. Je le savais. Donc là, un petit saut, on y va. Je pense que je vais retenter la même chose. Non, la grenade. Si, la grenade, la grenade, ouais, la grenade, ah oui, à côté du tonneau explosif. Mais je sais s'il s'en sort, tu vois. Ça va faire très très mal, ça va faire très très mal. Bip, c'est fini. Il a pris cher. Alors, je crois qu'il est décédé. Hein. Oh bah oui, il est vert. Pan. 88, ouais. Bien trop. Voilà, je suis dépité, hein, faire un vert aussi bêtement. Ouais. Ouais, mais bon, c'était une belle. Et qu'il a pas été là, quoi. Ah ouais, ouais. En même temps. Un petit missile auto-guidé. Ouais, tu disais quoi tout à l'heure pourquoi non, là, c'est là, ceux qui ne savaient pas viser. Regarde donc un peu ceux qui ne savent pas viser. Regarde. En plus, c'est même pas visé qu'un missile téléguidé. En plus, il s'est pas visé qu'un missile téléguidé. Ouais. Totalement derrière. Totalement mauvais. Hein. Oh là là. On peut même pas dire qu'il avait deux mains gauches, ton verre. Ah ouais, non, bah non, là. Ah, ça arrive, hein. Même au meilleur, hein, on peut dire. Et donc là, c'est toujours mon verre depuis tout à l'heure qui est devant leur forteresse. Oui, j'arrive toujours pas à le piner finalement, celui-là. Je sais pas si c'était le premier à. Ah si, ça y est, là j'en ai mis une belle. Il tombe. Alors je sais pas s'il est encore vivant. Je crois que c'est 50 une roquette de plein fouet. 50 de plein fouet. Ouais, 50. Mais il avait 56. Il était à 56. Si tu sais compter, mon cher Hyrule, ça fait 6 points de vie. Il fait 6 points de vie. Bon, ça me suffira pour en tuer, hein, les verres. C'est vrai. Donc c'est pas lui qui va mal finir. Qui va avoir une fin tragique. Nous retrouvons toujours l'agent Denis au sommet de sa tour, mais pas au sommet de sa forme. Ah ouais, non, il reste 25 points de vie aux deux. Elliot, je pense ah, c'est qu'il pareil, va ouais, cher, ça dépend. C'est quoi pas celui-ci. Ah non, bon, bah là, dans les la chambre, faut avoir direct bien dans joué, comme ça. Bien joué. Je dis joli coup quand même. Oh, il est bien passé dans l'arche. Il est un peu minable.
Mais c'était pour le style, c'était pour vous montrer ah, que oui. Tu mettais toujours la pression sur, le, sur tes verres. Que tu dominais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Donc là, je cherchais. Voilà, j'étais infiltré, là. Voilà. Je me suis dit, allez. Un coup de roquette comme ça. On sait jamais. Je peux peut-être arriver à en sortir. Choqué seulement. Ouais, ouais, touché, mais bon. Je crois qu'ils ont eu mal quand même, parce qu'elle a pas explosé très très loin de ça, la roquette. Hein. Quand même du toucher, ouais, 37 points. Vous, quand même, vous remarquez quand même que les points de Vidiril diminuent dangereusement depuis un certain temps. Oui, les tiens, et que ceux de, voilà. Ouais, oui, de mon équipe ne bouge plus beaucoup. Petite remontée. Alors là, attaque parachute. À la splinter cell. Voilà, descente. Elle est magnifique cette descente en parachute. En parachute. Tout est maîtrisé dans les courbes. Tout en style, en freestyle même, je dirais. Pour atterrir bien devant. Voilà. C'est superbe. Hop. On voit qu'il maîtrise parfaitement son art. Ah, le parachute. Et là, ah, le coup de la dynamite. Bonne dynamite. À l'ancienne, on sait jamais. Je rate pas mon coup. Non, non, là, je prends pas de risque. Hein. Comment virer un verre qui m'embête chez moi. Et bim. Une grosse explosion. Je sais même pas comment tient encore la tour. Elle tient debout sans presque rien. T'es sur deux pieds. Ah, là, 75 points. Ah, ouais, dynamite, c'est 75 points de vie directement. Bon, allez. Un mort de plus, ça y est, ta barre a commencé à se diminuer ouais, un ouais, petit peu. Mais attends, ça se trouve. Ah, c'est ton verre là-haut qui est bien placé. Hein. T'es bien placé, sûr. Il reste pas beaucoup de points de vie. Là, j'ai failli faire le con, mais en fait, je maîtrise. Ou pas. Ou pas. Un petit coup de bazooka. Ouais, je regardais bien le vent, je maîtrisais. Ah, ouais, c'est trop bas. C'était trop bas. Voilà, tu casses encore une partie de ma tour. Ah, c'est dommage, t'es pas prêt à trousse de soins quand même, parce qu'on a un peu besoin de ton verre. Il a 20 points de vie. Non, non, c'est un fort. C'est un bon, lui. C'est pas un faible, c'est pas un faible. Non, 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 c'est un vrai verre, lui. C'est... Il se recoue tout seul quand c'est il est. C'est pas un verre de terre, c'est un verre de fer, sûr. Ouais. Bon, petit jeu de mots. Eh bah, c'est le temps de lui défoncer. Hein. Ah, ou défoncer les naseaux. D'ailleurs, tenez, Exley, je pense qu'il va s'en prendre dans les dents. Ouais. La visée est pas mal, le vent est bon. Ouais, après un petit décalage devant, en plus il reste le la chance devrait pas être mauvaise. Oh, voilà, c'est ça le fait tomber. Dessous, ah, ça le fait tomber, on va bien voir. Mais je crois que t'as... En plus, je mets à côté de la mine. C'est non, bien joué, c'est bien joué. Oh, puis en plus, je m'empoisonne, c'est pas vrai. Ouais. Mais bon, que, je pense on qu'il voit qu'il y a de la fatigue. Ouais, quand voilà, même. Voilà, 56 points bon, de dégâts. Il l'a eu, mais bon. Tu viens de perdre aussi un verre. Plus la chute. Non, non, il est pas mort là. Il est juste empoisonné. Il va mourir. Donc là, il te reste combien de verres? Deux verres, il te reste? Deux verres, oui. Ils sont pas super en forme. Non, non, 25 et... Non, même pas, il me reste 2, hein, ouais. Tentez encore la roquette, hein. Ouais. Ah, j'insiste. Ah ouais, mais c'est... Mais... Ah, trop court, encore. Trop bas. Ah non, je tombe, ouais. Ça me fait tomber. Hein. Il est vrai qu'encore à ce stade-là, tu avais encore l'avantage. Tu as encore l'avantage. Oui. Alors là, vous allez voir l'action la plus pitoyable de la partie. Ah oui, oui, oui. Là, c'est un grand moment. Là, un grand moment de solitude. Là, il y a du jeu, les gars. Là, vous allez voir que... Alors, je me suis dit, je vais prendre déjà, une potion d'Icar. Déjà, je vais prendre une potion d'Icar, histoire d'être bien ridicule, déjà. Hein ? Ça me donne des petites ailes pour voler, vous allez voir. Bloc. J'ai ça, il y a pas ah, ouais, bah non, elle cul trop lourd. Bon, alors on se dit, c'est pas grave, on va faire autre chose. Je vais faire autre chose, un petit coup de corde ninja. Pourtant, je l'avais entraîné, enfin, je m'étais entraîné. Hein. C'est vrai qu'il s'était entraîné dur, mais pendant les. À l'entraînement, on avait fait de la corde ninja. Et là, regardez, il se prend son élan et. Poum la défaite. Défaite totale, noyade assurée, tu sors. C'est pire qu'une pichenette, c'est ridicule. Il méritait que ça, de toute façon. Mort par noyade. Mon avatar est consterné, mais il y a de quoi. Même constipé, je dirais. Oui. Voilà. Deux derniers vers sont là, moi, il m'en reste trois. Donc ça se resserre quand même, t'es remonté, faut reconnaître que t'es mal parti mais tu remontes. Bah, ouais. Enfin, c'est surtout que j'ai tué un de mes verres. Pas mal d'erreurs de ta part aussi, oui. Et là voilà, encore une arme de débutant, faut le dire ce qu'il y a, le lance-roquette. Le lance-roquette est l'arme de base. De Worms. Là c'est pas... Elle est belle. Bon. Ouais, ça va m'enlever un peu de vie. Ça t'a chatouillé je pense. Ouais, on parle de 50-49, c'est qu'elle m'a pas tapé dessus. Hein. Histoire de. Bon, allez, on va essayer de pas recommencer la même bêtise, on va pas recommencer le coup de la corde quand même. Il tente. Il joue l'assurance. Ah, ouais, là, la roquette. Ouais. Hein. Alors, moi, c'est un peu plus dur parce que je suis en contrebas, donc la roquette, c'est plus dur que quand oui, t'es non, en... non, ça, c'est parce que t'es faible. Ouais, c'est...
Mais elle était bien lancée quand même. Oui, quand même touché, pas, hein. Par contre, c'était pas celui que tu visais. Que, mais les deux sont quand même tombés. Hein, j'ai quand même touché les deux. Et j'en ai eu un, je crois, parce que là, 34. Il est pas mort, lui? Si, si. L'agent Denis, d'ailleurs. A rejoint les cieux. Il en reste donc plus t'en qu'un. Il reste plus qu'un, avec pas beaucoup de vie, je crois. À 18, ouais. 18 points de vie. Ah, c'est là, là c'est... je tente le tout pour le tout. Ouais, ouais, tout pour tout, parce que franchement, le téléporteur, il peut emmener aussi bien dans un endroit bien, ou alors un endroit totalement... Ah, on retrouve un verre que nous avons vu tout à l'heure. Là, je lui dis pareil, t'as puni mon copain, je vais te punir. Ah ouais, là, je vois sécurité, hein, la dynamite. Ouais, la sécurité, là, j'ai... Si c'est bien fait, c'est 70 points de dégâts. 75 même, la dynamite. 75, oui. Non, c'est pas bien fait, hein. Dès qu'elle est à côté, de toute façon, c'est 75, t'as pas le choix. Donc là... Même avec 66, même s'il serrait les fesses très fort, il serait mort, donc... Bon, il se positionne à un endroit un peu rigolo quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a été bien fait. Mais une bon. Petite tombe, un salut, petit salut, l'ami. Voilà. Et à bientôt. Oh, t'as bien servi. Hein. Ta veuve recevra une pension de. Donc là, je me retrouve avec un verre qui a un point de vie. Hein, parce que lui, il est empoisonné. Il ne peut pas mourir empoisonné, mais ça descend sa vie jusqu'à 1. Et là, il va tenter une descente en parachute. Alors, après la corde ninja, la défaite du parachute. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne l'avait pas. Il l'a refermé. Donc, mon petit. Tu plies tes clarinettes et tu t'en vas. Ah oui, bah là c'est ridicule. Bon. Mais bon, c'est, j'avais un peu pitié aussi. Je me suis dit, je vais sacrifier deux de mes verres. C'est ça, ouais, c'est ça. T'es chié dessus, oui. Ah ouais, c'est ridicule. Ah, voilà. Donc on, finalement, on se retrouve là, à un verre contre un. Le duel. C'est le duel. Alors il me reste Majora. Donc et toi, là... il s'appelle comment le tien? Ah, je sais plus, je suis. Hein, voilà. Un verre quelconque, hein, de toute manière. Ça va être le duel. Hein. Le duel. Donc là, un petit coup de carte satellite pour savoir où est-ce se place mon ennemi. Et là, je dis, allez, je tente le tout pour le tout. En sachant qu'une partie normale dure 15 minutes, et passé 15 minutes, la mort subite arrive. C'est ça. Ce qui veut dire que l'eau montre au fur et à mesure. Et vous allez voir un peu la stratégie que je vais employer pour le débusquer de sa cachette. Ouais, il y avait un peu de la sorcellerie là. Oui. Il y a du vaudou. La tour est remplie de trousses de soins quand même. Hein. Trois trousses oui, de soins au-delà de la tour. Qui va la prendre. Je crois que ça c'est 25, ça te soigne une trousse de soins. 25 points de vie, oui. Elliot, ça s'appelle le tien. Elliot, oui. Elliot contre Majora. Elliot du lac. J'ai un petit avantage, je crois, parce que mon verre a un poil plus de vie. Points de vie. Ah, on retente la corde de grappin. Attention les yeux. Voilà, on va tenter la corde de grappin. Sécurité. Il prend son élan. Paf. Et ce coup-ci, vous allez voir un peu ce. Ce chef-d'œuvre, hein, faut le dire. Hein. Oui, je dirais plutôt une chance, mais bon. Donc là, il a du mal. Hein. Il n'arrivait pas à remonter en fait. Donc je lui ai dit, bah, lâche tout. Hein. Et hop, là, il s'est rattrapé au dernier moment. Voilà. Il a bien joué. Là, c'est le premier stade de mon plan machiavélique. Il a géré le. Qu'est-ce que tu vas faire déjà? Oui, effectivement, oui, le premier stade de ton plan, oui, ça a commencé. Là. Donc là, je me suis dit, bon, je vais essayer de. Il me reste 36 points de vie, ouais. Donc, une roquette, ça suffira pour nous tuer l'un ou l'autre en fin de compte. C'est ça. On était au one shot. Ouais, presque. Hein. La balle en or. Un petit test. Ouais, un petit peu trop bas. Bas, ouais. Encore là, trop je bas. Je me repositionne pour essayer de pas me prendre avec une roquette. Avec ma jolie tombe à côté en forme de temple. Ouais, jolie, j'aurais pas dit jolie, mais. Voilà, il me reste le vers Sam Fisher. Faut qu'il assure. Ah, ouais, il avait repéré la caisse de vie. Ouais, oui, il a préféré jouer la sécurité. Là, il a failli. L'équipement, quand même, parce que ça peut toujours servir à une pièce d'équipement. Un parachute, bah, ça remplacera celui que tu as perdu tout à l'heure. Là, faut que je me dépêche, il ne reste plus que 20 secondes. Hein. Pas non plus, je suis en plein milieu d'un champ de bataille après les 20 secondes. Parce que même si j'ai gagné un peu de vie, maintenant je peux survivre à un tir de roquette direct. Hein. Donc là, il reste 10 secondes, on va tenter le coup de génie. Hein, le petit coup au hasard, je sais même pas trop où il est. 5 secondes, 4 secondes, 3. 2, 1, on tire au et là on y croit, et là on y croit, on pense que c'est dedans, et non, il y avait un mur. Mais c'était quand même pas très loin. C'était pas loin, oui. L'idée était là. C'est pareil, il manque encore le talent là. Pour concrétiser. C'est ça. L'idée était là, mais il n'y avait pas le talent. Ouais, pour concrétiser. Alors là, je regarde, je trouve. Moi je suis toujours planqué là-haut. Je vais sûrement retenter. Alors me dit, Ryu, pourquoi n'as-tu pas utilisé ta frappe aérienne? Oui. Bah parce que j'y ai pas pensé. C'est tout. Ça aurait été tellement plus simple. Mais j'ai dit je veux jouer sport. Celle-là, elle n'a pas vu taper loin non plus. On l'a pas vu taper, je sais pas où la taper. Juste au-dessus de la tête, le Majora. Mais elle devait être pas bien loin. Donc là je me suis dit, il faut tenter tout pour tout.
faut que je grimpe en haut, il y a plein de caisses. Ouais, c'est vrai. Je vais peut-être avoir une bonne arme dans une de ces caisses. C'était... qui permettra de ravager le dernier verre. C'était vraiment bien joué. Alors, on essaye, paf. La petite montée de grappin. Fort bien. Fort bien, en fait. Et voilà, et la caisse qui va me donner le pouvoir, qui va me permettre de mettre la pression sur son verre. Il regarde la carte. Alors, il est en bas, il est bloqué. Je vais déclencher mon inondation. Alors c'est ça qu'on appelle, c'est du vaudou. Vous allez voir, il va tourner un parapluie. Méchant. Ah, j'ai essayé chez moi, ça marche pas avec un parapluie. Et là, c'est le drame. Donc là, regardez, l'eau commence à monter à chaque tour. Dangereusement. Donc là, je suis en train de me dire, tiens, moi je suis en bas, lui il est en haut. Il va y avoir un problème dans quelques secondes. Il va falloir que je me mette à l'abri dans peu de temps. L'eau monte à une vitesse incroyable. Voilà, j'ai eu un petit coup de chance que l'eau ne soit pas montée plus haut. Il y aurait un millimètre d'eau en plus, on verrait se noyer direct. Donc là, je me dis, allez, j'y vais, j'ai pas peur. Tu tentes l'attaque. On sait jamais. Mais encore là, beaucoup encore trop basse. Non, mais là, mon verre était complètement déconcentré. Là. Il était... C'était nul, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, ouais, non, mais attends, il y a l'eau qui monte. Et moi, je suis à l'abri dans. Elle a la pression, là, il se dit, merde, que... j'ai plus de vie. Non. C'est ça que j'ai mis l'inondation, parce que moi, je sais que je suis à l'abri. Voilà, c'est ça, oui. C'est pas moi qui mourrais le premier noyé en tout cas entre les deux. C'est ça. Moi j'avais double. Bah, mon verre avait double peine. J'ai plus de vie. Et je suis bien placé. Voilà. T'es bien placé et à l'abri. En plus je suis en hauteur donc j'ai l'avantage d'être de la position pour tirer avec le bazooka et tout ce qui va avec. Alors là j'étais joueur. Je me suis dit, je vais tenter la grenade. Oui, c'était joueur. C'était joueur. Hein, c'est ça. C'est joueur. Je sais même pas si elle tombe à côté ou si elle était à. Non, elle était au-dessus mais bon, c'était une frag quoi. Donc la frappe explose un tout petit peu plus vite. Ah, elle a explosé trop tôt. Mais c'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Ouais. Ça, c'était pas mal. C'était plutôt bien joué, même. Un poil moins puissante, elle serait tombée dessus direct. Je me tâte quand même. Parce qu'il y avait des TP qui étaient plus bas que ça, donc oui. C'est un truc qui téléporte dans la flotte. Ça sert pas à grand chose. Mais là, bien sûr, comme tout à l'heure, imitation du génie, imitation de. Non, c'est pas vraiment une imitation. Regarde, c'est quand même bien fait, premier coup, c'est propre. Ouais, tu as gagné un peu de sourcils, alors vraiment un tout petit peu. J'ai gagné un tour de sourcils, De sourcils, oui. De sourcils, oui, bon, bah, je sais pas parler. Donc là, je me dis, c'est bon. Ah, il y a cru, hein. J'y ai cru. Mais non, c'est jamais. C'est vrai, trop bas, hein. Il est toujours trop bas. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est passe, vraiment trop bas. Donc ça là, même je pas me dis, problème c'est tour. Fini parce que je me suis mis dans un coin. Donc s'il m'a pas, c'est classé un. À moins un, quand même. Oui, en 69. Point, 60... D'ailleurs, on finira sur un 69. Oui, carrément. On vous enverra la vidéo plus tard. Donc là, il prend de la hauteur. Alors maintenant, le truc, c'est de pas tomber. Hein, ouais, ça serait possible aussi. Hein. On prépare le petit bazooka quand même. Voilà, on joue la sûreté. Donc, Est-ce que je vais t'avoir. Je sais pas si contre. Le vent est contre, hein, quand même. Oui, on sait jamais. Je prends compte, ça ralentit un peu le missile. Non, elle est fort bien lancée. Le verre a été touché. Ça devrait suffire. C'est ça. Et voilà. Voilà. C'est la fin. Et 2-0 pour moi. C'est vrai, bien joué. Bon, je peux laisser mon avatar jubiler un petit peu appelé. Sur l'écran. C'est encore l'équipe de Splinter Cell bien qui gagne. Non, mais c'est les gars, ils sont entraînés aussi. Ouais. Donc voilà, c'était une petite vidéo détente comme ça d'une partie rapidement avec un pote sur Worms.